Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, je vous montre comment ranger vos rubans et dentelles. Donc, j'ai des boîtes comme ceci, qui sont des boîtes de bonbons Haribo. Donc, vous en trouvez à vendre dans les grands magasins, les supermarchés. Mais vous pouvez aussi demander à votre boulanger, parce que lui, les vend au détail, boulanger-pâtissier, de vous les donner, parce que lui, il les jette. Hein. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, moi, vous voyez, j'en ai des comme ça, des grandes, et j'en ai des plus petites, comme ceci. Hein. Donc, les boîtes, c'est récup. Hein, d'accord. Moi, j'en ai... attendez que je vous dise. Pour mes rubans, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous voyez, j'en ai 20, 21. J'en ai 21 boîtes. Hein, je mets, mes étiquettes ne sont plus très belles parce qu'il y a longtemps qu'elles sont faites, mais je mets devant ce que j'ai, voilà, donc je les repose devant, et puis là, je suis rendue au vert, j'ai rangé un petit peu ce matin, je suis rendue au vert, donc il y a quelque temps, j'avais fait un partenariat Bibicraft, et j'avais eu ces dailles-là, vous voyez, ceci. Donc, je ne sais pas s'ils les font toujours. Je vous mets de plus près pour que vous ayez le code barre si ça vous intéresse. Ouais, y a un peu de reflet parce que c'est j'ai mon Velux au-dessus. Hein. Donc, tapez le code et vous allez voir s'ils les ont encore. Hein. Alors, là, ce matin, alors j'avais demandé à Alain hier, parce que bon, bah, j'ai très très mal au poignet, comme vous le savez. Et j'avais demandé à Alain de me préparer des petites découpes. Parce que en fait, j'en découpe deux que je colle l'un contre l'autre. Hein. Et vous pouvez éventuellement, pour celles qui ont des grilles, vous pouvez les mettre dans des grilles. Et vous collez l'endroit de chaque côté, les deux envers à l'intérieur. Donc, voilà. Et puis, bah, j'avais tout utilisé hier. Et puis, ce matin, je lui dis, tu reviens m'en faire d'autres. Alors, il est venu, mais il était là devant moi. J'aime pas le scrap. J'aime pas le scrap. Je dis, bon, écoute, tu t'en vas. Je vais me débrouiller. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, ça doit être quelque chose que j'ai reçu. Vous voyez? Donc là, je vais le mettre. Là, je le scotche. Alors, ceux-là, c'est bien parce que, vous voyez, il y a des petits trucs entre chaque, là. Et on peut en mettre trois différents rubans. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, ici, je viens recouper un petit morceau de scotch. Et je viens mettre mon ruban. Alors, par contre, là, j'ai un ruban qui est un petit peu plus épais. Alors... je vais venir couper ça et puis ici je vais venir couper un petit peu mes deux petites dents là de chaque côté. Voilà. Alors là c'est du ruban qu'on m'a envoyé, ça c'était un cadeau. Et donc, ici, voyez, vous le mettez comme ça. On arrive presque au bout, c'est pas très très long. Il est joli ce ruban. Là. Vous
Voilà. Donc, celui-ci, ben, maintenant qu'il est fait, je viens le ranger dans ma boîte. Voilà. Alors, maintenant, j'en ai un autre comme ça. Donc, je pourrais mettre avec celui-là éventuellement. Je vous dirai plus qui me l'a envoyé parce que je ne sais plus. Il y a un moment que je les ai déjà. Et puis, je range mes rubans une ou deux fois l'an, hein, pas plus. J'essaye de ne pas faire trop de... Oh, je ne vais peut-être pas les jeter, ces petits trucs. Ça peut peut-être me servir, justement. Là, je l'ai coupé, donc ça ne va pas. Alors, on va reprendre un comme ça. Qu'on va venir découper en bas parce que là, j'ai un plus large. Voilà. Et en haut, je vais mettre celui-là. Alors, quand vous avez des grosses quantités, il vaut mieux que vous partiez sur un comme ça. Hein. Mais pour les petites quantités qu'on a, les petits rubans action, là, comme ça, bon, bah, à la limite, c'est suffisant. Hein. Vous voyez? Là, je ne sais pas. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé parce qu'il est attaché avec un petit fil. Mais il est très joli. Hein. Et le vert, ça convient bien pour le printemps et pour l'été. Le printemps surtout. J'ai des verres vraiment... je crois que j'en ai deux boîtes de verres. Ouais. Le blanc, j'en ai deux boîtes. Le bleu aussi. Le vintage, j'en ai trois. Quatre boîtes. Ouais. Donc... Ben, il fut un temps où j'en faisais venir de chez Ali. Oh, il y a longtemps. Hein. Donc, maintenant, du vintage, j'en fais pas systématiquement parce qu'il y a des copines qui n'aiment pas ça. Donc, voilà. Alors, celui-ci, c'est pareil. C'est un ruban avec un morceau de fil de fer qu'il tient rigide. Alors, ici, comme je mets du scotch, il est vrai que les morceaux, quand je viens m'en servir et puis que bah, je détache le dernier bout, bah, ça déchire. Alors, c'est pour ça que je refais des bobines comme ça régulièrement, quoi. Hein, d'accord ? Alors, je garde des morceaux. Je vous montrerai prochainement comment je range mes blocs, notamment mes blocs action. Et je me sers, vous voyez, du reste des les petits bouts comme ça. Eh ben, ça me sert à faire les petites bobines et les un petit peu plus grands, ben, les plus grandes. Hein. Donc, je vous montrerai ça prochainement. Hein. Mince. Ah zut, ça me colle au bout du doigt. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, je vais venir le faire. Et puis là, vous allez voir que sur un petit, je vais coller ces petits machins-là. Donc, ça ne sera pas dans la boîte verte. Hein. Ça sera plutôt dans une boîte vintage. Mais ça peut faire des petits trucs quand on fait des ABC, qu'on met des voilà des petits rubans. Voilà, donc là, je vais coller celui-là et celui-là. Hop, à repartir. Voilà. Vous voyez que c'est bien d'en avoir. Il est un peu petit le leur, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Celui dont on se sert le plus, c'est celui où on peut mettre les trois là. Déjà pour un gain de place. Et puis, donc les petits, vous voyez. Non, je ne mets pas là puisque les petits, je les mets à l'avant. Hein. Alors là, j'ai des. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, ces trucs-là, ça et ça.
Et puis, vous voyez, après, quand j'ai des choses plus grosses, ça, je ne l'ai pas mis, c'est de la dentelle que j'ai eue aussi dans un partenariat. Et là, il n'y a que du vert. Hein. Voilà. Donc, bah, les filles, j'espère que ma petite vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura donné l'idée d'aller voir votre boulanger pour lui réclamer des boîtes. Et puis, surtout, les boîtes ne vous coûtent rien. Vous faites vos bobines dans vos chutes de papier. Il vous faut juste un petit peu de scotch. C'est tout ce qu'il vous faut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.